Dis, je peux te poser une question? Le prends pas mal, hein? Mais qu'est-ce que tu comptes faire, toi, pour la rentrée? Non, parce qu'avec Baudouin, on se pose la question. Quand on voit tes résultats? Parce que si tu veux, l'UNIF, c'est bien gentil, mais il faut quand même un petit peu étudier, hein? Tu peux pas continuer comme ça à échouer tous les ans, hein? C'est échec sur échec. Alors ça, guindaillé, la grasse matinée, ça, ça va, ça. Ça, tu sais faire, ça. Ça, c'est la grande 10, oui. Mais attention, moi, j'ai pas fait l'UNIF. Enfin, finalement, si aujourd'hui, je suis au chômage, c'est quand même pas de ma faute, hein? Moi, j'avais rien demandé à 17 ans, hein? Rien. Moi, je voulais faire le barreau, moi. Pas faire des moutards avec d'autres cons, hein. Moi, je voulais devenir une grande psychologue, tu vois. Aider les gens, rendre service, MSF, tout le bordel. Tout ça à cause d'une soirée trop arrosée, tu parles. Hein? Et quand tes parents sont morts, ma vie aussi, elle a changé, hein. Et, bah, et le jour de l'enterrement, il a fallu que je devienne maman, moi. D'un coup, bonjour. Bon, écoute, mon chéri. Le prends pas mal, mais tu sais que je t'ai toujours considérée comme ma propre fille. J'ai pas envie que tu tournes mal. Écoute, Tati, moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi et je te considère comme ma mère, hein. Je tiens beaucoup à toi et plus j'y pense et plus je me dis... je crois que j'ai envie de faire exactement comme toi. Hmm? Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, rien foutre. Comme toi. Finalement, c'est un peu ça le but dans la vie, non? Réussir à rien foutre.